C'est à la maison communale de Lourdes que nous rencontrons Tristan Jospin, un jeune artiste peintre de 16 ans, pour l'exposition qui lui est consacrée. Donc j'ai 16 ans, et alors j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé par le dessin et j'ai commencé à dessiner à 11 ans. C'est en fait une de mes tantes qui m'avait mis devant un crayon et une feuille, et alors elle m'a dit de produire un paysage, et j'ai reproduit, et ça m'a plu, et du coup pour mon anniversaire à mes 11 ans, elle m'a acheté du matériel, le soir même, ben, j'ai pris le crayon. Voilà. C'est ma première exposition tout seul. Les autres que j'ai faites, l'exposition, c'était avec des artistes. Donc j'en ai refait une ici au Centre culturel de Doubs. Ici, c'est à la commune de Doubs. Celle-là, c'est moi, la première solo, on va dire. Même si j'en ai déjà fait aussi auparavant à la taverne à Marie-Boulette. Mais sinon, c'est la première qui est vraiment... qui a eu déjà autant de monde et qui a eu un franc succès. Alors, j'ai commencé autodidacte, mais ici, ça fait un peu plus d'un an que je suis des cours à l'IEPS de Coffontaine, des cours de dessin le vendredi soir et le samedi matin, et ça m'aide énormément. Que ce soit déjà rien que pour la technique et tout, et c'est aussi là que j'ai découvert la peinture. Et par la suite, ouais, j'aimerais bien m'inscrire dans une école, une grande école de dessin et de peinture, ouais, ça serait génial. Je préfère peindre des personnages. Personnages, portraits et livres. Pourquoi ? Parce que j'aime bien les relations de l'homme avec ses sentiments et aussi avec la société, avec le monde extérieur, etc. Donc par exemple ici, c'est un exemple, ici c'est une série de nus donc, que j'ai faite en aquarelle, en camailleux. Et alors celle-ci, je l'ai nommée le bien-être parce que c'est en bleu, donc c'est une couleur assez apaisante. Puis il y a le drapé aussi, pour représenter la douceur. Et puis il y a aussi l'expression de la femme qui est... c'est vraiment apaisant. Alors après ici, on a la réflexion. Alors couleur rouge pour peut-être une souffrance à la réflexion. La position de l'homme aussi, donc de la main sur la tête pour montrer qu'il réfléchit. Hein. Et puis ici, on a le mal-être. Alors le mal-être, couleur verte qui est... assez peu utilisé, qui peut aussi évoquer un mal-être justement. Et puis c'est un contorsionné parce que c'est des positions qui sont très rares à avoir. Et puis c'est original et ça peut aussi évoquer justement le mal-être et la souffrance. Alors j'en ai pas de prévu. J'ai quelques idées pour faire des demandes à des endroits que j'aimerais bien exposer. Mais sinon, pour l'instant, j'en ai pas de prévu. Et de toute manière, je crois que la prochaine, elle aura lieu peut-être dans un an ou deux parce que j'aime bien, à chaque exposition, renouveler à chaque fois mes différents tableaux.